Deux dimanches et maintenant le troisième que j'enseigne sur le cœur. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai pas fini d'enseigner sur le cœur et je vais enseigner sur le cœur. Et le Saint Esprit va parler à nos cœurs jusqu'à ce que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Et je vais vous dire peuple de Dieu, Dieu veut que tu sois. Son étoile dans sa main, la perle, sa perle. Dieu veut que tu sois cette étoile qui brille pour lui. Dieu ne te lâchera pas, il n'arrêtera pas avec toi tant que tu ne deviendras pas ce qu'il veut que tu sois. Dieu a plus d'ambition pour toi que tu n'as d'ambition pour toi-même. <laughs> oh, vous, Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Dieu a plus d'ambition pour toi que tu ne peux le voir, que tu ne peux le croire et que tu ne peux en avoir pour toi-même. Dieu veut faire de toi sa perle, son trésor, sa lumière, sa pépite, cette personne qui brille dans le monde. parce que notre Dieu est tellement glorieux. Il veut que tu sois le reflet de sa gloire. Il veut que tu sois le reflet de sa gloire. Il veut que tu sois le reflet de sa gloire. Qui qui portera la gloire de Dieu sur la terre Qui portera le nom de Dieu sur la terre Qui se lèvera pour être le reflet de sa gloire qui acceptera de changer Qui acceptera d'être circoncis Qui acceptera que son cœur soit transformé pour être le reflet de sa gloire Sera-ce toi Oui, ce sera toi. Parce que Dieu veut que ce soit toi. Parce que Dieu a tellement besoin de toi. Parce que quand tu es le reflet de sa gloire. Tout va changer autour de toi. Tu es un témoignage vivant, un parfum de bonne odeur, l'image de Christ. Et Dieu n'a pas moins d'ambition que cela que tu sois son ambassadeur, son ambassadrice sur la terre, que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. La barre est haute. Le challenge est immense. Le défi vaut le coup. Et il n'y a que le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour nous y aider. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous frotter à la parole de Dieu et d'ouvrir notre cœur au Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit peut changer nos cœurs. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler qui nous sommes. Nous sommes tellement aveugles à propos de nous-mêmes. Nous sommes tellement aveugles à propos de nous-mêmes. Nous, nous marchons notre vie et nous pensons, je suis bien, je vais bien, tout va bien. Puis les gens autour de nous ne voient pas toujours la même chose. Si vous posiez véritablement la question à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos parents. Peut-être il dirait, tu sais, il y a quand même des choses à revoir avec ton caractère. Il y a peut-être des choses à voir avec ton comportement. Mais vous savez, nous, nous sommes confrontés par personne. Et à moins que le Saint-Esprit ne mette un miroir devant nous, ne nous parle, ne nous arrête, nous pensons tous que nous sommes bien, que nous faisons bien, que tout est bien et que ça va bien. Et on s'arrange bien avec toutes nos histoires et tous nos petits péchés et tous nos comportements. Mais Dieu, lui, ne s'en arrange pas. Amen. Dieu, lui, a plus d'ambition pour toi que tu restes tel que tu es. Dieu veut que tu deviennes l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Et pour ça, il doit changer ton cœur. Il doit entrer dans ton cœur et te montrer ce qui n'est pas à sa gloire, ce qui l'attriste, ce qui l'empêche de libérer le flot de sa puissance au travers de toi. Parce qu'il y a des choses, mes amis, que si nous ne les traitons pas, si nous ne les... Disciplinons pas, si nous ne les voyons pas, si nous restons sourds et aveugles à certaines de nos paroles, à certains de nos comportements, à certaines de nos attitudes, à des choses qui sont cachées peut-être dans notre cœur. Si nous ne les affrontons pas, ne les confrontons pas, si le Saint-Esprit ne nous les révèle pas de sorte que nous changions, nous allons être limités. nous allons être limités dans ce que Dieu veut faire avec nous, au travers de nous et pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu mon son? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu veut que tu aies un cœur en or. Dieu veut que, comme on dit en anglais, you be best at heart. Que ton cœur, Dieu veut que ton cœur soit le meilleur. Dieu veut que tu aies un cœur en or. Alléluia. Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir refléter la présence et la personne de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous nous appelons chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un là yes. Chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire que je porte le nom de Christ. Je suis censé refléter l'identité de Christ. C'est une lourde responsabilité. Mais je ne peux pas m'appeler chrétien et me dire chrétien si je n'ai pas cette ambition d'être à l'image de Christ. Et je vais vous dire une chose, votre vie sera tellement, incroyablement plus facile quand vous allez relever le défi, quand vous allez accepter le challenge, quand vous allez accepter de changer. Votre vie va être tellement, incroyablement plus facile. Les âmes vont être tellement plus faciles à gagner. Les cœurs vont être plus faciles à convaincre. Votre vie va être tellement plus simple quand vous allez vous conformer à Christ. Christ est ton unique modèle. Christ est ton unique modèle. Adam, le premier Adam, était à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu l'a créé à son image il portait la gloire de dieu et nous savons ce qui s'est passé de ce premier adam et nous portons cette nature adamique mais lorsque christ est venu il est venu nous montrer qui il est et qui nous sommes et qu'il veut que nous soyons et maintenant notre modèle n'est pas paul ou pierre ou jacques c'est christ dieu veut que tu ressembles à christ ton image, ton identité telle que tu as été créée, c'est Christ. Plus tu enlèves le péché, la dureté, les mauvais comportements, le non-pardon, les colères, les agitations, les stress, les mauvaises paroles, l'énervement, plus tu enlèves ça de ta vie plus tu deviens conforme à christ et à l'image de christ il faut que tu commences à ressembler à qui tu es à qui tu appartiens à qui est ton identité ton identité n'est pas le monde le monde, Jésus a dit, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le monde ne doit avoir rien en toi. Il y a tellement de choses dans notre vie qui sont calquées sur le monde. Nos cœurs sont calqués sur le monde. Comment le monde agit, comment le monde réagit. Le monde se bat, le monde se venge, le monde rétorque, le monde répond, le monde est plein de rébellions. Voyez ce qui s'est passé hier encore. Le monde est rempli de rébellions. Mais nous ne sommes pas appelés à ressembler au monde. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas à l'esprit de ce monde. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous êtes hors du monde. Vous avez été racheté du monde, échappé du monde, enlevé du monde pour votre plus grande bénédiction. Parce qu'il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. Le monde est vide. Le monde est creux. Le monde sonne creux parce qu'il n'y a rien. Il n'y a qu'une enveloppe, il n'y a qu'une apparence, mais à l'intérieur il n'y a rien parce que si Dieu n'est pas là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le monde est vide et nous ne pouvons pas ressembler au monde. Et pourtant, dans notre vie en tant que chrétien, il y a tellement de paroles, tellement de comportements, tellement d'actions et de réactions qui sont encore comme le monde. Bien sûr, depuis que nous sommes nés, nous avons été façonnés par le monde. Nous avons été façonnés par nos familles, notre entourage, notre environnement, la façon dont ils réagissaient, la façon dont ils parlaient, la façon dont ils se comportaient. Nous avons été façonnés par des modèles, des exemples autour de nous qui n'étaient pas ceux de Dieu. Et nous sommes toujours tels que nous avons été façonnés, alors que maintenant nous devons être façonnés par la parole de Dieu, par l'esprit de notre Créateur, par ce Dieu supérieur, Alléluia, qui veut te donner une vie supérieure, qui veut te donner une vie au-delà de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Alléluia. Dieu veut te donner une vie supérieure. Ce n'est qu'en se conformant à Christ. Peuple de Dieu, il faut que les passions cessent. Il faut que la chair soit crucifiée. Il faut que les attitudes mauvaises changent. Il faut que votre cœur se repente. Il faut qu'il y ait des larmes qui coulent sur vos joues. Il faut que vous criez, Père éternel, viens au secours de moi, de ma vie, de ma chair. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Alléluia. 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 Comment allons-nous gagner le monde si nous ne sommes pas transformés à l'image de Christ S'il n'y a pas à l'intérieur de nous un flot d'amour, de douceur, de gentillesse, d'affection, de générosité qui sort et qui s'écoule de nous. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous sommes changés en Christ, à l'image de Christ, nous allons gagner le monde facilement. Il va y avoir plus d'onction sur ta vie il va y avoir plus de présence de dieu sur ta vie et ça va changer le monde et ce sera pas si dur ce sera plus facile vous avez deux options soit le muscle le bras le muscle et là c'est dur il faut faire des efforts soit vous avez la présence de Dieu. Amen. Mais la présence de Dieu n'est pas cheap, elle n'est pas bon marché, amen, amen. elle ne vient pas gratos. Amen, 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 amen. Dieu ne vient pas dans le chaos. Dieu n'est pas là, ne se manifeste pas dans la dispute. Amen. Dieu vient dans l'honneur, dans le respect, dans le calme. Alléluia. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, nos maisons doivent être remplies de calme. Beaucoup, vous vivez dans la dispute. Ça doit changer. Vous ne pouvez pas tolérer un esprit de dispute dans votre vie, entre votre mari et vous, votre femme et vous, entre les parents et les enfants entre les familles ou même les frères et sœurs dans l'Église. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tolérer un esprit de dispute, mais beaucoup d'entre vous, vous vivez dans la dispute. La dispute, la colère, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes ne font pas partie de notre ADN. Maintenant que nous appartenons à Christ, maintenant que nous appartenons à Jésus, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que la gloire de Dieu vienne sur toi, qu'elle vienne sur ta famille, dans ton foyer, qu'elle se multiplie dans l'Église. Mes peuple de Dieu, comment la gloire de Dieu peut se multiplier dans l'église quand les gens qui viennent louer et adorer se disputent une place de parking Non non non, non non, je parle vraiment, je parle. Je parle l'esprit de Dieu parle. Comment comment la présence de Dieu va venir quand il y a des paroles dures et qu'il n'y a pas de repentance derrière Dieu. Et vous savez, Dieu est tellement miséricordieux que malgré tout, il fait son chemin. Mais il pourrait se manifester de façon tellement plus puissante. Il fait toujours son chemin parce qu'il est fidèle. Il, il sauve toujours les âmes parce qu'il est fidèle. Il bénit et il guérit les gens parce qu'il est fidèle. Mais il pourrait faire tellement plus s'il n'y avait pas de jalousie, de dispute. De paroles dures, d'attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Hmm. Alléluia. Bientôt, nous allons célébrer Pâques, la Pâque de l'Éternel. L'année dernière, je vous ai enseigné sur Pâques et je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce message parce qu'il était un peu complexe et je pense que vous n'y étiez pas habitué. Maintenant, si je vous en reparle, vous allez petit à petit connecter. Il y a sept grandes fêtes dans les fêtes de l'Éternel. Dieu a mis des fêtes et il a dit, ce sont mes fêtes. Vous célébrerez mes fêtes. Il y en a sept. Une de ces sept grandes fêtes, c'est la Pâque. Mais la Pâque n'est pas une fête. La Pâque est l'association de trois fêtes. C'est la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête de la gerbe agitée. Ces fêtes sont connectées ensemble. Je vais vous en parler. Vous allez comprendre. OK Vous êtes avec moi La fête de la Pâque, Exode 12, Moïse, Moïse, 14e jour, tu prendras un agneau. Chaque famille prendra un agneau. Cet agneau sera sacrifié le quatorzième jour. Son sang sera réservé, mis sur les linteaux et les portes, et vous serez en sécurité. La fête de la Pâque, c'est la fête du salut. C'est Christ, c'est la croix. C'est Jésus qui a payé le prix. Son sang a été versé. Maintenant, sur les linteaux, les portes de notre cœur, sur les linteaux, les portes de nos maisons, sur les linteaux, les portes de nos vies, il y a le sang de Christ qui dit à l'ange de la mort Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas toucher, tu n'as pas le droit. Ah, c'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Un jour, la Pâque était célébrée en un jour. Il devait célébrer la Pâque en un jour. Mais une fois que la Pâque était célébrée, la fête n'était pas terminée. Maintenant, immédiatement, sans répit, écoutez-moi bien, il y avait une deuxième fête dans laquelle on entrait immédiatement, qui était la fête des pins sans levain. La fête des pins sans levain, hein, c'était une fête très spéciale. Et elle nous parle aujourd'hui, parce que tous nous sommes allés à Pâques. Tous nous sommes allés à Exode 12, c'est pourquoi nous sommes ici. Mais tous nous ne sommes pas entrés dans la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'était une fête dans laquelle le père qui représente le père de famille, qui représente Dieu, qui représente le Saint-Esprit. Maintenant, prenez sa famille, allez dans la maison et disait « maintenant, il faut ôter le levain de la maison. Tout le levain, ce qui fait gonfler la pâte, tout le levain doit sortir de la maison. Donc, il prenait sa famille. Il prenait sa famille. Ok. Il le prenait. Il disait Viens, ok, viens. Ok. Famille, viens. Ok. Maintenant, nous allons chercher dans la maison et nous allons enlever tout le levain. Alors, ils allaient dans la cuisine, bien sûr. Dans la cuisine, on imagine qu'il y a du levain. Hein, pour la pâte, la farine. Okay. Ils ouvraient les placards, cherchaient partout dans les placards. Est-ce qu'il y avait du levain Plus de levain. Okay. Mais maintenant, ils allaient explorer toute la maison parce que le père de famille avait une torche. Il avait une torche de l'époque et il allait dans tous les coins et dans tous les recoins de la maison. Venez avec moi. On va chercher maintenant le levain. You go with me. Okay. On cherche le levain. On va chercher maintenant dans les placards dans les portes. Il oh, y a du levain, il y a du levain là. On enlève, tout le levain de la maison devait être ôté. Merci. Alléluia. C'était la fête des pins sans levain. Et écoutez-moi bien, cette fête durait sept jours. Sept jours, pas un jour. Sept jours. 7, je vous l'ai déjà expliqué, notamment le 1er janvier, je vous ai expliqué, 7, c'est une saison. C'est une saison. La fête de Pâques, un jour. Le salut n'est pas une saison. Le salut, c'est une expérience. Je suis sauvé en un instant, en une minute, en une seconde. Je n'ai pas besoin de dix ans pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de sept jours pour être sauvé. Oh, mon cœur se connecte à Dieu en un instant. Hallelujah. Je dis oui, Seigneur, et je suis sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut prend un instant, une minute, une seconde. Mon cœur s'allume, mes yeux voient. Je dis oui, c'est toi, Seigneur. Et il n'y en a pas d'autre, et je suis sauvé. Instantanément, je suis sauvé. Ça, c'est la Pâque. Mais voyez-vous, le fait des pains sans levain, hein, ce n'est pas un jour, c'est une saison. Et qu'est-ce que représente le levain La Bible dit que le levain hein, représente le péché. Le péché. Ça représente tout ce qui se lève, tout ce qui gonfle, tout ce qui gonfle, tout ce qui enfle. Je vais vous dire ce qui enfle. Le péché enfle, l'orgueil enfle, la colère enfle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui était en colère, qui était tout discret dans son coin non, non, non non, il prend toute la place, tout l'espace il crie. Hein? Il y a des gens ici vous criez à la maison. Mais le Seigneur vous parle ce matin. Il y a des épouses qui crient sur leurs maris Il y a des maris qui crient sur leurs femmes. Il y a des parents qui crient sur leurs enfants. C'est pas comme ça que Dieu nous a appris le mariage. C'est pas comme ça que Dieu nous a donné la grâce d'avoir des enfants. Il y a des chrétiens dans l'église qui se crient après. Tout ce qui enfle est péché. Regardez avec moi dans 1, 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Il est écrit, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Amen, amen. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen, amen. Pas cette vieille pâte du vieux levain de votre vie, de votre histoire, de votre passé, de la façon dont vous avez grandi, de votre environnement. Non, 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 non. Ça, c'est fini. C'est fini. Peu importe ton éducation, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les blessures que tu as connues, peu importe, maintenant tu as une, ident, une nouvelle identité. Maintenant Dieu veut que tu sois une nouvelle pâte. Faites disparaître le levain, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité.